Contemplez la terre souillée par les explosions de violence. Respirez l'air corrompu et les mauvaises ondes. Sentez dans vos cœurs la haine qui vient à ma semence et voyez l'amour disparaître de votre monde. Soumettez-vous à un nouvel âge de violence. L'amour ne sera jamais plus. Voici venu mon règne de souffrance, le règne du Kaiser suprême, le seigneur de guerre, Hieronymus Abaddon. Et Nicolas. Salut. Ça me tue à chaque fois. Ah, du coup, si tu veux voir les PNJ, ils ont spawn. Ok, attends, je mine deux, trois trucs. Ouais. Bon, au pire, pour l'instant, ça me préoccupe pas trop les PNJ. Hein. Mais que tu voyais que ça marque. Ouais. Tu sais comment on fait pour leur donner les métiers? Ouais, bah C'est oui, avec les sûrement. blocs, tu sais. Hein. Par contre, faudrait que tu récupères ta canne à sucre. Voilà, j'en ai pas besoin, donc si toi D'accord, t'en as ben moi j'en aurais besoin, besoin pour me fabriquer mes livres. bah tu pourras bah, prendre. Tu t'instruis toi maintenant. Alors, la plupart de l'argent que je dépense en dehors de ma nourriture et tout, c'est pour acheter Non des mais je livres. rigole. Ah oui. Alors tu dis que tu vas te faire des livres. Ouais, mais je vais fabriquer une grande bibliothèque dans ma maison, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ok, ouais, il y a un. Ce que je te conseille, le paratonnerre, je te conseille d'en mettre un deuxième, mais de l'autre côté de ta maison à peu près, où tu vois. Je peux un D'accord. peu visiter ta maison? Tu veux? Par contre, mets des escaliers à l'entrée. Merde. Les toutous. Alors tu vas me dire comment construire ma propre maison. Ah oui? Non, non mais je rigole. Alors on dirait que tu m'obliges à mettre des escaliers. Là, c'est plus simple comme ça. Nein, je ne veux pas d'escalier. Je suis anti-escalier, moi. Nicolas, regarde par la fenêtre qu'il y a au milieu du côté. Ah bah merde, ouais. Regarde par la fenêtre qu'il y a du côté du milieu, au milieu du rez-de-chaussée. Tu vois? Ah, Ouais, c'est une regarde. porte. Ah, la fenêtre ou la porte? Non, le trou qu'il y a au milieu. Ouais. Regarde. Ça fait mourir, c'est ça. Ouais, bah j'aurais pu me prendre l'arbre. J'espère que les PNJ ne spawnent pas à l'infini, parce que sinon on aura trop. Ouais, bah au pire, je sais pas, ouais. Après, tu sais, s'il y en a beaucoup, je crois il en faut 16, ça fait spawner des golems de fer. Ah ben ouais, on va faire une ferme à fer en plus. Par contre, tu sais, je t'avais parlé d'un youtubeur qui s'appelle Alt de... Attends, j'ai le livre. Alt236, qui parle de trucs genre de berserk, de vampires, de trucs comme ça, d'univers de fiction. Alors, non, tu m'en avais pas parlé. D'accord, bah, il fait des vidéos là qui durent à peu près 40 minutes à chaque fois ou une heure. Et c'est super bien fait. Il a même fait un documentaire pour Arte sur l'horreur. Et bah, du coup, il est génial. Et là, je suis en train de regarder une vidéo de lui qui parle d'un comics qui s'appelle Requiem. En gros, ça parle d'un chevalier. En gros, l'histoire, c'est un chevalier vampire en enfer. Et bah, le personnage, quand il va en enfer, tu sais ce qu'il a fait? Il a tué le diable. Alors, non, en fait, il arrive en enfer parce que c'était un soldat WS et qui s'appelait Imrich. Non, c'est vraiment, vraiment. Hein. Mais c'est pas le Imrich très très connu, c'est un Imrich là inventé dans l'histoire. Et du coup, c'est un peu chelou quand même. D'ailleurs, cette BD, comme elle était très très scandaleuse et qu'il voulait beaucoup de. Enfin, comme ils savaient que ce serait scandaleux, en fait, ils ont fait en auto-édition. Ah, sinon, je viens de le remarquer, mais j'ai quelques blocs de bronze qui commencent à. Ils ont changé, quoi. Ah oui, qui deviennent un peu verts.
Est-ce que tu as besoin de cuivre? Bah oui, bah bon, D'accord, pour un alors peu. comme moi le cuivre pour l'instant je m'en sers pas. Bon là j'en ai que 10 pour l'instant, mais je vais tout mettre dans ma boîte aux lettres. D'accord. Bah pour l'instant, je n'utilise pas, mais je vais l'utiliser quand je finirai mon tour. Ouais. Il va commencer à faire nuit. Attends. Je fais juste un truc. Alors, c'est bon, je dors. C'est bon, je dors, vous passez la nuit, voilà. Ok. Attends, je vais pas prendre tout ça non plus comme pioche. Je viens de le remarquer, mais les crafts, j'ai l'impression qu'ils restent même si on n'a pas les items. Ah, bon, maintenant j'ai rien dit, j'ai rien. Non, non. Attends, option, musique et son. Sans ça, je vais le miner. Tu as pris le wagonnet avec toi? Ah, ça je sais pas. Non, je Oh crois que c'est non. toi qui l'as, tu l'as cassé. C'est toi qui l'as cassé. Attends, D'accord, je vais bah vérifier s'il n'est pas dans mon coffre. Je pense j'ai pas. dû le paumer. Ah non, c'est bon, j'ai. Ok, d'accord.
C'est un passage secret que t'as fait en dessous là où tu viens de passer? Non. Après, si. Mais. Même si. Alors. Bon. Laisse tomber. Ça sert à quoi ce que t'as fait en fait? Ben, si c'est secret, c'est pour pas que tu le saches. Ah. Et quoi, du coup? Je suis en train de faire une sorte, entre guillemets, de salle des coffres juste pour les blocs de cobblestone et de terre. D'accord. Ah, la musique, la vieille musique de Minecraft. C'est bien un item pour planter plus de trucs en même temps. Pour crafter, comment ça, plus de trucs en même temps? Quand tu sais, pour les objets, t'es obligé de les poser un par un. Ça aurait été bien un truc qui peut les poser, je sais pas, en 3x3. Ah. Ce que tu fais, en fait, tu tiens avec le clic gauche, tu sais, avec l'index. Oui, non, mais je sais, mais j'aurais bien voulu que ce soit plus rapide encore. T'inquiète pas, quand j'aurai fini ma base, tu pourras faire une visite et l'utiliser aussi si t'as besoin. Ouais. T'as fait du commerce là avec un villageois? Ouais, ah, tu vois bien ce que t'es. Alors, du coup.
Je sais pas pourquoi il y a le villageois, enfin que j'ai fait, il me donne des tartes à la citrouille de temps en temps. Ah, Je je sais sais. pas, peut-être. Ah! C'est parce qu'on est héros du village, je pense. Oui, Je crois ça que c'est doit être un pour genre ça. de cadeau. Tu sais, c'est quoi déjà le craft pour faire le truc de livre? Un livre, il te faut un de Le. cuir et trois de papier. Non, le repose de livre. Le truc qui repose de Je livre. sais pas, mais je crois qu'il faut de la redstone. Bah non. Ben, il me Si, semble que je oui. sais qu'il en Il faut. me semble que si. Pour un truc qui sert à reposer des livres, il faut la redstone. Oui, mais en mode créatif, tu le trouves dans l'inventaire redstone, le... Ah, c'est bon, j'ai trouvé le craft. Non, en fait, il faut ben, juste une bibliothèque. Ah, dalle en bois et une bibliothèque. Oh, j'ai trouvé du lapis. J'ai trouvé du lapis-lazuli juste en voulant poser des coffres. Non, ça va pas du tout ce que j'ai fait là. Je vais pas me mettre ici. Ouais, c'est un truc redstone, mais non, une bibliothèque et des dagues. On peut dormir, s'il te plaît? T'as un livre à Ok. côté? Ok. Merci. Et si ça t'intéresse, tu peux venir voir ce que je fais. Ok. Enfin, tu peux voir ce que c'est que l'endroit dont tu me parlais. Ah, mais là pour l'instant, je suis en train de m'occuper de préparer une sorte de mini salle des coffres.
Ah, il me faut une porte. Le libraire, il donne des livres. Bah oui, bah c'est logique. Non, mais il donne des livres grâce au truc. C'est quoi comme livre? C'est des romans, des livres humoristiques, des trucs comme ça? Va compter. Par contre, c'est bizarre, genre pour changer parce que ce qu'ils te vendaient, normalement, ce que tu avais fait, c'est de casser l'item qu'ils utilisent et le replacer. Mais là, le libraire, il change pas. Ah, ben je sais pas. Ah, si, c'est bon. Maintenant, faut juste qu'il me donne le livre que je veux. Si jamais à l'avenir tu tues un pillager, ne viens pas dans ma base, enfin ne viens pas près de ma base, viens soit ne viens pas, soit va au village. Ouais. Et si jamais tu de ballerine. Oh, il y a un chat qui a spawn en plus. Ah ouais, bah c'est cool. Dans notre base là? Ouais, dans la mienne, ouais. Oui, non mais tu vois dans Et l'endroit. spawn dans les villages. Bah ouais. Après, fais gaffe, c'est chiant parce que ça s'assoit sur les lits et tu peux pas dormir quand c'est dessus. Ben, je le tue. Hein. Ouais, mais ça te fait perdre des points de villageois. On est leur héros de toute façon. Est-ce que tu pourrais tuer un villageois, s'il te plaît? Pourquoi? Le veux plus. Tu le veux plus? Ouais. Il y Bah en a tu un l'es. qui est. Au pire, tu le laisses se faire bouffer par les zombies, hein. Vas-y, bah, je le fais partir. Il veut pas partir, est-ce que tu peux le tuer, s'il te plaît? Mais pourquoi? Pour le tuer. Ok, De toute il est façon, où? c'est pas grave. Là, je te l'ai dit, dans l'endroit où il y a les rails. Et pourquoi tu dois le tuer en fait? Et je peux plus lui faire changer de métier, donc il faudrait que tu le tues. Ok, d'accord, le gars, il a pas les diplômes et tu le tues pour ça. Tu sais, il peut faire rappeur s'il a pas son bac. Hein. C'est lequel que tu veux que je tue? Il est où? Viens, bah, il est là. Attends, Je te prends une vois pas. hache. T'es où? Et là, non, je t'ai dit, suis les règles. Ah ok, d'accord. Non. Tu l'as avec la hache que je vais te donner. Ah ouais. Et surtout, ne rate pas de terre. Non, attends, pas avec l'épée, pas avec l'épée, avec la hache. Que l'épée, ça va faire un dégât de zone, et la hache, ça va juste te tuer. C'est lequel celui avec Le le chapeau? libraire, le libraire, ils ont tous les deux des chapeaux.
Ah, tiens, je te donne la hache. Ouais, merci. J'aurais pu le tuer à main nue juste pour le plaisir de faire mal. Ouais, bon, c'est méchant ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Ouais, mais de toute façon, il avait pas le bon métier, il n'y avait pas d'offre et de demande. Ça aurait perturbé l'économie souterraine et voilà, ça aurait provoqué une crise économique. Voilà, faut faire des sacrifices parfois. Voilà, t'as qu'à traverser la rue si tu veux un métier, comme dirait le président. Ok. Bon, en gros, si tu fais un truc comme moi, il faut pas que si tu leur échanges un objet, après tu peux plus les tu peux pas leur faire changer de métier. D'accord. Mais au pire, les villageois, tu les gardes dans ta base et moi, je fais le portail du Nether. Non, je vais aussi faire un portail dans ma base. Tu l'as déjà fait? Non. D'accord, parce que moi, j'aimerais bien qu'il soit dans ma base parce que j'aimerais bien faire une petite déco style un peu bibliothèque autour ou un truc comme ça. Et de toute façon, on peut en faire deux. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, quand il y a deux portails du Nether et tout, après, il y a toujours un portail principal dans l'Overworld, en fait. Du coup, des fois, t'as des téléportations qui sont un peu bizarres. On verra, on verra. Ouais. Moi, j'aimerais bien que le portail du Nether, il soit dans ma base. Tu vois, je vais faire un genre peut-être de crypte un peu avec une tombe et tout. Et il y aura le Nether, parce que tu vois, c'est un rapport avec l'enfer un peu. On est en frein 2, on verra ce qui se passe. Ok, alors ça, je descends. Il y a quand même pas. Oh merde! Oh putain, je suis tombé dans le vide et je suis tombé dans un trou qui était juste avant le vide en fait. Ah. T'entends mon jeu? Non, pourquoi? Je sais pas, t'as fait un bruit alors que le Non, mien c'est c'était juste des. que j'étais content d'avoir rempli mes ressources. Ok, je dors. Attends, là je peux pas. Ok. Attends, en attendant, je vais regarder mes plans. Il reste 11 minutes. Hop, les plans de l'étoile de mer. Attends, c'est. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais construire un petit abri pour mettre mes chiens. Attends, les chiens, ils risquent pas de tomber dans le vide? C'est pas du tout. Ouais, bah du coup, je vais. Ouais, non, je vais pas faire de trucs pour les chiens pour l'instant. Les chiens, je les mettrai pas dans le trou, je les mettrai à la surface. Et du coup, en attendant, je fais quoi? Au pire, en attendant, je vais creuser.
Ok, ben je vais aplatir ma montagne, mais dehors pendant la nuit. Bah attends, vas-y, si tu veux, là, je peux dormir. Ok. Vas-y. Attends, j'arrive. C'est bon. Ok, merci. Oh, ben, y a un squelette juste au-dessus du. Ça va être galère pour avoir ce que je veux. Il y a eu un creeper? Non. Après, j'avais entendu un ps. Il m'a enfin donné ce que je voulais. Oh merde. Par contre, c'était vraiment trop bien l'épisode où on s'était battu contre les pillageois là, avec les gros mammouths et tout, les ravageurs. Ça, c'était cool. Bah vas-y, je vais commencer à préparer un portail du Nether. Oh putain! Oh, il y a un creeper dans ma patte. L'intérieur? Ouais. Saute! Je sais, je veux Oh, pas je te le faire vois, l'effet. attends. Ouais. Au pire, tu sais, tu peux attendre qu'ils disparaissent. Avec le temps, ça disparaît les mobs. Ah, bah, il est disparu. Ah non, il est toujours. C'est juste que je m'étais éloigné. Bah, de toute façon, je dois récupérer du. Obsidienne, voilà. Ah, il faudra que tu récupères le stuff qu'il te faut à la base. Il y a quoi comme stuff? Je sais pas, il y a des blocs et tout, mais Ah. c'est des trucs que t'as plus besoin que d'autres. Ah. Ouais. Bah, elle est belle cette musique. Il reste combien de temps, s'il te plaît? Il doit rester 5 minutes, un truc comme ça. Il reste 5 minutes 2. Combien déjà de blocs?
3, un portail. il en faut 16. Un peu trop ça. Ouais, mais on fera ça ensemble. Je préfère qu'on fasse ça ensemble. T'en as vraiment besoin d'aller dans le Nether? Bah là, c'est la prochaine étape puisque j'ai un bien miné de la Netherite. Pour faire quoi? Mais t'inquiète pas, je parce que pour améliorer mon armure. Ouais. Attends, avant de le construire, genre, tu feras ça peut-être au prochain épisode. Regarde sur le wiki si en fait, si chacun construit notre portail, qu'on soit pas téléporté dans le bordel en fait. Non mais t'inquiète pas, en gros le portail, il me semble que ça va juste te téléporter à un autre endroit qui a si tu mets ton portail de ton côté, à un autre endroit qui est d'accord. Dans le même. Mais vérifie que ce soit toujours la même chose dans cette version. Parce qu'à un moment j'avais fait ça dans une map survie et du coup ça m'avait téléporté à l'autre bout de la map et ça me faisait chier à chaque fois que j'allais dans le Nether. Vérifie sur wiki, le wiki Minecraft. Toi, vérifie. D'accord, en fait, dans 5 minutes, quand on aura fini l'épisode, j'irai voir sur le wiki Minecraft. Non, mieux, je vais faire une expérience sur une map monde plat et je te dirai tout de suite dans, tu sais, dans 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Ah, c'est beaucoup plus agréable de jouer avec la musique en fait. Pourquoi tu joues sans? Ah bah là je l'ai activé depuis quelques minutes. Non, c'est parce que je les avais désactivés pour faire mon épisode de Surreal Craft. Ouais, j'espère que dans le Nether on tombera près d'une forteresse. Ouais, et j'espère qu'il y aura pas. Tu sais, les pygmites, tu sais, les trucs qui remplacent les pygmènes, là, les oglins ou un truc comme ça. Mais tu sais, les trucs à Ils ont quatre été pattes qui remplacés ressemblent à les des pygmènes? phacochères. Ils ont été remplacés les pygmènes? Oui, maintenant, c'est ces sortes de cochons, mais qui sont des oreilles. Mais t'as toujours les pygmènes zombies qui sont dans ce style-là, mais avec des oreilles. T'étais pas au courant? Non, moi je croyais qu'il y avait toujours les pygmènes. Enfin, les Ah, mais cochons zombies. j'ai de la chance parce que j'en avais acheté un, une boîte Lego, il y en avait un, de Pigmen classique. Et quelques mois après, enfin, ils avaient annoncé la mise à jour où ils changeraient les Pigmen en fait. Du coup, j'ai une figurine Lego qui sera plus jamais éditée. Ça, c'est cool. Et ouais. Mais du coup, il y a ça. Mais aussi, en plus de ça, en plus que j'ai en Lego d'ailleurs, il y a des sortes de cochons, phacochères un peu, qui sont à quatre pattes, tu sais, comme des animaux. Et en fait, ils t'attaquent et ça te défonce. Ça défonce. Ouais, c'est de la bonne. Ok. T'as bien avancé ton truc. Ouais. À part, il me reste, en comptant ce que j'ai fait, il me reste 7 couches à détruire et une deuxième. Et après, je ferai sur l'autre côté, là, l'autre montagne. Et bah, du coup, j'aurai fini. Mais du coup, je dois en être à peu près à la moitié. Attends.
Ouais, je suis à la moitié de mon travail en fait. Juste, est-ce que tu m'aurais pris ou pas des blocs dans mon coffre? Quoi comme bloc? Juste des blocs. Peut-être des blocs, tu sais, les blocs, tout ce qui est diorite, granit et tout, peut-être. Ah, dans mon coffre. Mais pas récemment. C'est juste pour savoir s'il y a des choses qui disparaissent. Peut-être que c'est moi qui les ai pris ou peut-être c'est juste pour savoir si c'est moi Oui, qui oui. les ai. Histoire que je cherche pas. La nuit est en train de tomber, mais ouais. Vas-y, go se coucher. Ouais, on se couche et après j'arrête l'épisode. Ok. Ok. Eh bien, au revoir à tous. C'était le Kaiser suprême Hieronymus Abaddon, le grand seigneur de guerre, accompagné de son ami Nicolas L33, et on vous dit au revoir. Au revoir. Eh oui, au revoir les amis.